N'ayez pas peur des femmes. La grandeur de vos pays vient pour l'essentiel des femmes. La poésie arabe s'inspire des femmes. Et donc, continuez à vous inspirer des femmes pour faire rayonner vos cultures, vos civilisations et vos pays. Patricia, vous pouvez venir, j'ai fini, vous dites à Hugo de venir aussi. Une seule chose, c'est que quand vous avez des convictions fortes, quand vous avez des racines fortes, quand vous n'avez pas honte de ce que vous êtes, quand vous n'avez pas honte de votre famille, vous avez la foi, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Tout d'abord, moi je suis très honorée quand des médias de pays arabes, parce que je considère que mon parcours, mon expérience, ma vie sont toujours intéressantes à expliquer pour des pays. Enfin, je suis très proche de ces pays, de cette sensibilité, cette culture. Donc je suis toujours très intéressée de pouvoir parler à des médias arabes. C'est vrai que ma vie politique m'a permis de voyager beaucoup plus et d'aller encore beaucoup plus au plus près et de rencontrer justement les peuples de ces pays arabes, et en particulier les femmes. Alors mon parcours en France pourrait paraître assez commun pour des enfants pour des gens classiques, parce que j'ai rien fait d'extraordinaire. Les seules spécificités, c'est que mes parents sont arrivés en France dans les années 60. Mon père était marocain, maman algérienne. Ils sont arrivés en France, effectivement, dans les années 60. Je suis née en France. Je suis née en Bourgogne, en Saône-et-Loire exactement. Et donc, mon père était ouvrier, maman ne travaillait pas. Nous sommes 12 enfants. Et c'est vrai que mes parents ont mis une priorité, ça a été l'école, c'est qu'on puisse réussir à l'école. C'était pas forcément réussir à l'école pour gagner de l'argent, mais c'était réussir à l'école pour qu'on ait un statut, une position sociale au sein de ce pays. On a fait notre scolarité dans des établissements scolaires, c'est vrai, privés. Et puis, on a réussi. Même si les choses n'étaient pas simples, mes parents étaient analphabètes au départ. Maman ne savait ni lire ni écrire. Mon père a appris à lire et à écrire avec nous. Il a appris à lire aussi et écrire l'arabe. Il était passionné par le monde arabe, passionné par la politique arabe et donc évidemment passionné par la politique française. Moi, j'ai toujours été passionnée par la vie publique, au sens la vie politique. Et donc, mon parcours a été animé par cette volonté de vouloir changer les choses, de combattre les inégalités, parce que j'ai considéré quand même que on a fait face à des inégalités. Alors après, j'ai fait une école, j'ai passé mon baccalauréat, ensuite j'ai fait des études d'économie, puis de droit. J'ai travaillé dans des entreprises privées, des entreprises internationales. J'ai travaillé à la Banque européenne à Londres. Et puis j'ai été magistrat, donc j'ai été procureur, j'ai été juge. Et ensuite, suite à ce parcours dans la magistrature, j'ai intégré le cabinet de Nicolas Sarkozy quand il était ministre de l'Intérieur. Donc j'ai travaillé avec lui sur les questions de justice et judiciaire. Et puis, quand il a voulu être candidat à l'élection présidentielle, il m'a demandé d'être sa porte-parole. Donc j'ai été sa porte-parole pour la campagne présidentielle de 2007. Et ensuite, il m'a nommé ministre de la Justice. Bonjour à tous. Alors, Nicolas Sarkozy n'a pas choisi votre région par hasard pour venir parler ici du travail, de l'effort, du mérite et du courage. Vous incarnez si bien toutes ces valeurs. Lorsque j'ai été nommée ministre de la Justice et garde des Sceaux, j'ai été la première, j'ai été la première avec mon parcours en France, dans cette 5e République. J'étais la plus jeune. Moi, c'était impossible. Personne n'aurait pu imaginer que je devienne un jour ministre de la Justice.
Personne n'aurait pu imaginer que je devienne procureur de la République, vu ma famille, vu d'où on venait, la manière dont on a vécu. C'était pas possible. Moi, toute ma famille ne sait pas lire et écrire. Moi, nous sommes les seuls à avoir eu accès à l'éducation. Et donc, c'était improbable que je devienne ce que je suis. Donc, des difficultés, il y en a eu. Mais quand je vois l'ampleur du succès et de ce que étaient devenus mes parents, ça atténue les difficultés. Mais bien sûr que des difficultés que vous en avez, et pour tout le monde, vous êtes bien placé pour le savoir, les sphères de pouvoir génèrent des difficultés. Mais pour moi, mes plus grands chagrins, mes plus grandes douleurs, mes plus grandes souffrances, ce sont quand même les disparitions de mes parents. Le fait d'avoir accepté cette responsabilité, je l'ai fait aussi pour mes parents. Et je peux vous dire que j'ai eu un sentiment assez étrange. Quand mon père est décédé, il est décédé il y a quelques mois, je me suis rendu compte qu'en fait, toute ma vie, tous mes combats, en fait, on les fait pour ses parents. En fait, on n'a pas de combat propre. Enfin, en ce qui me concerne, mes combats ont été pour eux. Mes réussites, mes succès ont été pour eux. Mes choix, je les ai faits en fonction d'eux. Mes convictions ont été alimentées par eux. Et donc, je me suis rendu compte que finalement, sans eux, finalement, le succès, la réussite, l'ambition n'ont plus le même sens. Non, puis les mails, là, c'est un peu court, je crois qu'il les a rédigés. Vous n'avez pas rappelé ? J'ai pas rappelé, je vais l'appeler. Même le jour où je suis devenue procureur et juge, vous savez, rentre, parce que quand vous êtes magistrat, vous rendez la justice au nom du peuple français. Et ça, mes parents étaient émus par ça. C'était une grande fierté pour eux. Alors le jour où je suis devenue ministre de la Justice, c'était pour eux tellement improbable. Alors après, j'ai eu beaucoup de polémiques, énormément de polémiques. Mais j'ai tenu le cap. Moi, j'ai eu beaucoup de peine pour mon père, parce qu'il a été très accablé, très agressé par les polémiques, par les journalistes, par la presse. Mais moi, j'ai estimé que le bonheur d'avoir été ministre était beaucoup plus fort que ça. Alors maintenant, moi, je vais beaucoup au Maroc, comme d'ailleurs en Algérie, parce que maman était algérienne. J'ai enterré mes parents au Maroc, donc je vais... Le pays qui a accueilli mes parents pour le dernier voyage, forcément, je suis attachée, enracinée aussi à ce pays qu'est le Maroc. Donc, moi, je suis très liée au Maroc. Et donc, dès que j'ai un peu de temps de libre, je prends ma fille et on va au Maroc. Parce que moi, plus d'une fois, j'ai été découragée. Plus d'une fois, j'avais envie de tout laisser tomber. Et puis, en fait, j'ai jamais renoncé. Le pouvoir fait peur. Ça, c'est la première chose. Et quand une femme exerce le pouvoir, ça fait doublement peur. Les obstacles, c'est simplement qu'on n'accepte pas, quel que soit, vous savez, souvent on dit dans certains pays et autres, mais c'est valable en France et en Europe, c'est qu'on n'accepte pas que des femmes aient le pouvoir. Ou alors, il faut que vous soyez sous tutelle, ce que je n'ai jamais accepté de faire. Donc, voilà, c'est de, à chaque fois, que votre autorité ne soit pas remise en cause. Voilà. Ou qu'on n'essaye pas. Alors après, qu'on essaye de vous éliminer, de vous déstabiliser, moi j'ai eu droit à ça assez souvent. D'ailleurs, parfois, l'entourage de Nicolas Sarkozy a essayé de m'éliminer ou de me déstabiliser. Vous savez, j'ai eu 13 livres qui ont été écrits contre moi, qui ont raconté n'importe quoi, qui ont raconté des mensonges, qui m'ont sali. Et puis le pire a été qu'on me reproche d'avoir appelé ma fille Zora. Ça fait partie de mon identité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et puis elle porte le prénom de maman. Donc personne ne pourra m'enlever ça.
Donc moi, j'ai dit que la personne qui avait écrit cela, les personnes qui ont écrit cela, c'était des malades mentaux. Il n'y a rien à dire. De donner le prénom de sa maman à son enfant, le monde entier, c'est universel. Ce n'est pas une question d'intégration, c'est une question d'amour. On est l'étranger dans le regard des autres. Mais soi-même, on considère qu'on est à sa place, là où on est né, là où on a vécu, là où on a grandi. Donc, en étant adolescente, très franchement, je n'ai pas ressenti ça. Qu'on ait pu me le faire ressentir, sans doute. Mais je n'avais pas un tempérament facile, je n'avais pas un caractère facile. Et donc, j'étais en combat permanent contre tous ceux qui ou m'empêchaient de pouvoir réussir ou d'accéder à des postes à responsabilité. Donc après, c'est mon tempérament et mon caractère. Donc oui, il y a eu des résistances, oui, il y a eu des volontés de m'empêcher parfois d'accéder à des responsabilités, mais ça ne m'a jamais découragée. J'ai encore mon libre arbitre. S'il était raciste, je ne serais pas avec lui. Et je ne veux même pas faire la réflexion de dire « je suis pas raciste, j'ai une amie arabe ou j'ai une amie noire ». C'est même pas ça. Je ne suis pas là-dedans parce que je trouve ça dégradant. Moi, je suis sur le fond. S'il y a quelqu'un qui est irrigué par la France, qui connaît très bien la France et qui est en phase avec la France, je vous le dis tel que je le pense. C'est quand même Nicolas Sarkozy. Mais aujourd'hui, je suis maire d'un bel arrondissement, le 7e arrondissement de Paris. Je considère que c'est le plus bel arrondissement de Paris. Je suis député européen. Je suis dans les instances dirigeantes de mon parti. On a des combats politiques à la rentrée. Puisque la collectivité internationale nous rappelle combien ce... Moi, je pense que les valeurs qu'on a, que vous soyez, quel que soit le métier que vous exercez, vos valeurs, elles sont constantes. Elles ne sont pas à géométrie variable, elles ne sont pas à la carte. Les valeurs, moi je pense que c'est la droiture, d'essayer d'être en cohérence avec ce qu'on est, de ne pas avoir de problème de conscience. C'est-à-dire que quand on se lève le matin, quand on se regarde dans la glace, on se dit, ça va, je n'ai pas un problème de conscience. Voilà. C'est le jour où je ne serai plus en cohérence avec ma conscience, j'aurai transgressé ou j'aurai atteint une zone de danger. Voilà. Moi je pense que la droiture, vos convictions, défendre vos idées, défendre ce que vous êtes. C'est ce qui a permis que je devienne ce que je suis. Ça ne veut pas dire que je suis parfaite, mais en tout cas, j'essaye d'être au plus proche de ce que je veux être et de mes convictions. Je suis allée en Afghanistan, je suis allée en Irak, je suis allée en Syrie, je suis allée en Libye. Si ces pays-là, si ces situations-là ne sont pas réglées, je vais vous dire qu'on aura des lendemains très difficiles, y compris en Europe. Aujourd'hui, on a, moi je pense, avant de parler d'intégration des réfugiés, il faut qu'on essaye de résoudre les conflits extérieurs. C'est une honte ce qui se passe en Syrie, en Irak, et l'Europe a une responsabilité. On ne peut pas dire gérer les réfugiés, c'est oublier la cause de cette migration et de cette tragédie. On a une responsabilité. Merci, Monsieur le Président. Les attaques terroristes à Bruxelles et à Paris ne doivent pas rester impunies. Nous devons effectivement obtenir des condamnations fermes et très lourdes à l'encontre des terroristes, mais aussi nous devons revoir nos méthodes de suivi, de renseignement, pour interpeller le plus en amont possible les individus dont le comportement et la radicalisation conduisent à cette barbarie terroriste. Moi, comme vous le savez, j'ai été très engagée contre la lutte contre le terrorisme au sens large. Aujourd'hui, je trouve que c'est un terrorisme libre-service. On a l'impression que du jour au lendemain, quelqu'un peut se transformer en terroriste. Et c'est ce qu'on appelle l'ubérisation du terrorisme. Aujourd'hui, quelqu'un prend une voiture, un couteau, une ceinture d'explosifs et effectivement peut faire des carnages. Donc moi, je me suis attelée à lutter contre la radicalisation, notamment de... parce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de jeunes Européens qui sont devenus des terroristes. Et des jeunes Européens nés en Europe, éduqués en Europe, ayant grandi en Europe. Et donc, il faut comprendre pourquoi ces jeunes sont devenus des barbares. Je ne crois pas que ce soit leurs parents, je ne crois pas que ce soit leur origine. Je pense que on s'est sans doute loupé sur certaines choses, mais il faut pouvoir aussi l'anticiper. Donc, moi, j'ai fait des propositions
notamment pour lutter contre la radicalisation en prison, parce que c'est devenu aussi des foyers de radicalisation, mais aussi sur Internet. Je pense que Internet est la source d'une troisième guerre mondiale, si on voulait laisser tout comme ça à volo. Je pense qu'Internet a une responsabilité. Mesdames et messieurs, you have to stay back, please. The area is dangerous because of shotgun. Please stay back. Moi, j'ai fait voter la responsabilité pénale des géants d'Internet, et ils ne voulaient pas. Maintenant, ils y viennent. Donc ça, j'ai réussi à le faire effectivement adopter. C'est de dire que si Internet ne contrôle pas les contenus, dans ce cas-là, il faut les poursuivre pour complicité, pour terrorisme. Ils ne peuvent pas gagner beaucoup d'argent, y compris sur leur barbarie. Donc là, maintenant, les géants d'Internet commencent à être très coopératifs dans cette lutte contre le terrorisme. Ensuite, sur les prisons, de pouvoir identifier les processus de radicalisation, comment un jeune qui est détenu pour un droit commun sort de prison en devenant un terroriste. Donc il faut effectivement anticiper, traiter, mettre des programmes de lutte contre la radicalisation. Ça, c'est une affaire d'experts. Et puis, tarir les sources de financement. Il y a un vrai sujet sur le financement du terrorisme. Et moi, j'ai fait effectivement voter une mesure en demandant à ce qu'il y ait une traçabilité des financements de certaines associations ou de certaines personnes. Donc tout ça, c'est un travail de longue haleine et les pays arabes ont une responsabilité. Ils doivent contribuer effectivement à ce combat. Parce que la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, les premières victimes du terrorisme, ce sont les pays musulmans eux-mêmes. Ce sont les musulmans eux-mêmes. Donc aujourd'hui, il faut que tout le monde aille dans le même sens. Et puis ici, on essaye de faire comme on peut. La vie politique ne vous laisse pas beaucoup de temps, parce que quand vous êtes responsable politique, vous êtes politique tout le temps. Moi, je suis maire de cet arrondissement, j'habite l'arrondissement, je prends l'ascenseur, mon voisin me parle de l'arrondissement, le commerçant vous parle de politique, je vais au Parlement européen, on nous parle de politique, donc vous êtes dans la politique tout le temps. Certains considèrent que l'élégance est une qualité, puis d'autres me l'ont reproché en considérant que je n'étais pas légitime à être élégante. Comme si l'élégance, c'était une question de condition sociale. Moi, je considère que l'élégance est une question d'éducation. J'ai été élevée comme ça, et je considère que ça fait partie de la représentation. Et donc, je préfère être élégante, enfin, en tous les cas, j'essaye de l'être. La politique, c'est même pas un métier, c'est un engagement. Et quand vous avez un engagement, l'engagement est constant, il est permanent. Donc vous êtes engagé tout le temps. Donc vous ne pouvez pas dire, tiens, là aujourd'hui je ferme la porte, je suis maman, je ferme la porte, je suis une femme, je ferme la porte, je suis un responsable politique. Non, tout est mélangé, forcément. Ma fille, quand je suis à la mairie, quand j'ai des réunions, elle vient souvent parce que l'école n'est pas très loin. En sortant de l'école, elle passe ici. Ça m'arrive de l'emmener aussi avec moi sur des déplacements européens. Donc tout ça est très mélangé et très lié. Moi, j'adore la lecture, j'adore la politique. Je lis des biographies, par exemple, qui ne connaît pas, qui ne peut, enfin, personne même. Moi, j'ai été élevée avec les chansons d'Oum Kalsoum. Donc sa vie m'a fascinée, comme Isman, Farid Al-Atrash, Abdel Wahab. Donc tout ça, et je ne lis pas l'arabe, et je n'écris pas l'arabe. Et je ne comprends pas l'arabe littéraire, je comprends que l'arabe dialectal. Donc, les intonations, la musique, donc c'est bien que quelque part, génétiquement, il y a quelque chose. Et ma fille ressent la même chose, c'est très curieux. Ma petite fille aujourd'hui connaît Oum Kalsoum, connaît Ismaël, connaît Férouz, donc connaît les films égyptiens. Ma fille est fascinée par les films égyptiens et elle ne comprend pas forcément l'arabe. Donc... Moi, je pense que les plus beaux poètes, les plus grands chanteurs, les plus grands romanciers sont arabes, quoi qu'on puisse en dire.
Moi, ma grande frustration et mon grand regret, c'est de ne pas... J'avais pas assez de temps, puis l'urgence n'était pas là pour moi, mais c'est de ne pas lire et écrire l'arabe. Parce que quand j'essaye de regarder les traductions de certains textes, avec un mot en arabe, ça traduit un roman entier. Les mots sont très forts, et c'est pour ça que je trouve que c'est dommage ce qui se passe en ce moment, qu'une civilisation, qu'une langue, qu'une culture soit autant dévoyée par une poignée d'ignorants ou d'incultes, pour ne pas dire de barbares. Bonjour. Moi, je trouve que les femmes qui s'engagent en politique, moi, je vais vous dire la vérité, je pense que si j'avais vécu dans un pays arabe, je ne suis pas sûre que j'aurais mené la même carrière ou que j'aurais mené les mêmes combats. Peut-être que je n'aurais pas été aussi courageuse. C'est plus facile, j'avoue, en France, en Europe. Donc moi, à chaque fois que je vais dans un pays arabe, qu'une femme occupe une fonction ou une responsabilité avec une autorité ou un pouvoir, je suis admirative. Moi, je voyais par exemple en Égypte, j'ai vu qu'il y a une jeune femme qui s'appelle Nadia Abdou, qui est devenue gouverneure dans une province en Égypte. Quand vous connaissez les pouvoirs d'un gouverneur en Égypte, moi, je suis fascinée par cette femme que je ne connais pas, qui effectivement a accédé à ce pouvoir. Mais comme la politique, vous avez des femmes qui ont été engagées en politique très tôt en Égypte. L'Égypte a été un pays précurseur. Et sur la culture, le nombre de femmes, vous croyez que toutes ces chanteuses, ces actrices, le cinéma égyptien a fait rêver le monde entier. Vous croyez que c'était facile dans les années 30, 40, 50 d'être une actrice dans un monde arabe? Moi, je trouve qu'elles ont été des précurseurs bien beaucoup plus que les femmes occidentales, beaucoup plus. Et ce qu'elles avaient de fort, moi qui me fascine, c'est leur féminité, leur beauté. Parce que leur beauté, ça n'est pas... moi, je considère que ce n'est pas de la séduction basique. Leur beauté, c'est aussi une conviction affichée et assumée. Et donc, moi, quand je vois les films égyptiens, les chanteuses égyptiennes, qui souvent ont pris position, même politiquement, pour leur pays, vous voyez Férouz. Quand j'écoute ces chansons pour le Liban, il faut le faire, hein, dans des pays en guerre, qui, comme je vous le disais, qui aujourd'hui, tout ça, on l'a oublié. Qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui des pays arabes? On retient le djihadisme, on retient le terrorisme, on retient la barbarie. C'est tellement pas ça. Cette culture, elle est magnifique. Cette civilisation est magnifique. Et le combat de ces femmes va bien au-delà du combat des femmes occidentales. Le message que je voudrais dire, c'est aux hommes arabes, laissez de la place à ces femmes, laissez-les s'engager en politique. Elles vous renforceront, elles vous aideront. Vous serez d'autant plus fragile que si vous empêchez ces femmes de s'accomplir, de s'engager, de réaliser leurs rêves. Elles vous conforteront et elles feront rayonner encore plus les hommes arabes et les pays arabes. Donc mon message, il n'est pas pour les femmes arabes. Croyez-moi, elles n'ont pas besoin de mes conseils. Elles sont des combatives, ce sont des combattantes. Elles sont résistantes, elles sont résilientes. N'ayez pas peur des femmes. La grandeur de vos pays vient pour l'essentiel des femmes. La poésie arabe s'inspire des femmes. Et donc, continuez à vous inspirer des femmes pour faire rayonner vos cultures, vos civilisations et vos pays. Donc ne vous amputez pas de ce rayonnement, de s'émanciper. Et quand je dis s'émanciper, c'est pas de dire on fait n'importe quoi. C'est de se réaliser. Ces pays ont régressé. Mon message, il s'adresse d'abord aux hommes avant de s'adresser aux femmes. Les femmes, elles savent ce qu'elles ont à faire.